comme ça je le saurai au moins si on l'a ou pas quand on n'a pas le... Là vous avez que le régulateur adaptatif. Non là il veut pas. Vous voyez, vous le dire en bas. Parce qu'il n'y a pas le... Il n'y a pas de ligne. D'accord. Ah mais donc il refuse. Ouais. Non, c'est qu'en fait il faut être bien dans la ligne avant de le mettre. D'accord. Là on était trop au bord et on doit refaire après. Ah, qu'on veut tester après. Hein. Ouais. Non, mais après, si on teste mais qu'on garde les mains sur le volant, il n'y a pas de danger. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir de mettre uniquement le régulateur de vitesse adaptatif. On n'est pas obligé de mettre. Voilà, ça met pas tout. J'avais un petit peu peur aussi. En fait, une pression c'est le régulateur adaptatif et deux pressions c'est la conduite automatique. Enfin, pas autonome, assistée, on va dire. Voilà, assistée. Impressionnant de voir le volant tourner tout seul. J'étais déjà impressionné par celle de Richard qui avait le régulateur adaptatif. Régulateur adaptatif, mais là c'est encore plus bluffant. Ouais, moi je garde toujours une main dessus, en bas à droite, comme ça au cas où je peux intervenir. Surtout là quand il y a des trucs comme ça. Parce que là du coup elle doit être un petit peu perdue. Bah là elle se base sur la ligne de droite. Donc ça va, mais quand c'est dans l'autre sens, par contre elle. Elle s'en sert direct. C'est trop ça. Elle l'a fait toute seule. Ouais, elle l'a fait toute seule. Ah, elle fait toujours qu'une voie par une voie. Hein. Si vous laissez une autant, elle ne fera pas voie. La deuxième. Non. Ouais, c'est bluffant quand même. Non, extra ça. Alors, je pense que la distance est loin, vous pouvez tourner la baguette pour vous rapprocher. Ah ouais. Alors, était à une seconde peut-être. Ça se tourne. Non, on était déjà une seconde. Comme ça on est plus près déjà. Quand c'est le trafic est dense comme ça, on peut pas avoir plus d'une seconde. Sinon les voitures viennent tout le temps s'insérer. Ouais, bah oui. C'est vachement bien quand même. Vous voyez que je filme moi? Bah pourquoi pas. Je vais mettre un petit coup. Hop, elle accélère. Elle tourne, elle se place. Hop là. C'est dingue. Une main pas loin au cas où, mais on va. C'est impressionnant. En fait, je compte pas les pieds sur les pédales. Là, il y a un gars qui s'insère, elle va freiner. Et si par exemple je veux augmenter la vitesse, en fait. Il faut le monter vers le haut. Je fais comme avant en fait, comme ça ouais. Je fais rien. Ouais, comme le régulateur adaptatif d'avant. Là, elle va freiner toute seule. Je laisse faire, je touche à rien. C'est top. Ouais. C'est fou ça. C'est dingue. Et ce qui est bien, parce qu'en plus, ça évite une faute d'inattention, en fait. Mmh. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ça corrige... En fait, vous pouvez vous concentrer sur la route, vous n'avez pas besoin de vous concentrer c'est si ça. Vous êtes bien droit dans les lignes. Ou... Mais ouais, et puis même au niveau du freinage automatique, là, c'est le top, ça. Ça pile devant la voiture. Ouais, ouais, si vous étiez en train de changer la musique. Ouais, voilà, ouais, tout simplement. Un peu dans les rêves. C'est génial. Par contre, lui. Oui, justement, je laisse faire pour voir. C'est bon. Elle a freiné toute seule. Ouais. Tranquillou, je ne touche à rien, ni aux pédales, ni au volant. Ça, c'est vrai que dans les bouchons, c'est génial. Ouais. Parce qu'alors là. Bah, le périph, hein, typiquement. Ah ouais. C'est affolant. Et puis on voit bien, elle repère tout ce qu'il y a à droite, à gauche. On voit bien les radars s'enclencher. Alors là, par exemple, il vaut mieux que vous rapprochiez vos mains du volant parce que je sais pas si elle risque. À mon avis, ça va être bon parce qu'on ne va pas vite. Ouais. Et bah, elle va peut-être vous le dire. Ouais, tenez le volant. Vous voyez, il vous le dit en bas. Et après, il sonne si jamais.
En fait, là, elle sait que j'ai les mains dessus, parce qu'il y a des capteurs en volant, d'après ce que j'ai lu. Ah ici. Non, normalement, il le sent quand il sent une résistance. D'accord. Je vais faire un petit peu de ici. De toute façon, on le voit, il n'y a plus les lignes. Soit. Ouais. Enfin, non, ça, en fait, c'est fiable à 100% quand on est sur des portions d'autoroute normales. Ouais. Évidemment, si on joue avec. C'est au conducteur aussi d'être. Là, les lignes au milieu sont à moitié effacées. C'est raisonnable. Hein. Mm. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça enlève la direction, mais ça laisse. Ouais, ouais. Alors, ça, c'est super parce que du coup, je ne m'occupe pas de freiner et d'accélérer. Donc, ça, c'est quand même. Et là, si vous renclenchez, normalement, ça reprend. Il va sûrement suivre celle de devant. Deux fois, ouais. Il faut quand même faire deux fois. Alors là, il faut faire attention parce qu'il se base sur. Il a détecté les lignes. Ouais. Vous le voyez en fait. Là, il suit les lignes. Et on voit les lignes bleues. Et si c'est la voiture, ça veut dire qu'il suit la voiture. Mmh, d'accord. En fait, c'est soit la voiture qui est bleue. Voilà. Soit la ligne qui est bleue. D'accord. Là, c'est à droite. Par contre, ça, c'est quand on le désactive, vous avez vu, il faut mettre un petit coup de volant. Oui. Et il faut faire attention parce que du coup, ça met un coup un peu. Ouais, ouais. Ça peut surprendre. Mais c'est une question d'habitude. Je pense que dans les mises à jour futures, ils vont rendre le système plus sensible. Un peu plus souple. Déjà, au niveau du régulateur adaptatif, en comparaison avec le 6.2, il est beaucoup plus doux. Oui, il avait tendance à freiner. Il freinait fort, là, tout à l'heure, quand on a freiné sur l'autoroute, c'était assez doux. Ouais. Alors qu'avant, il aurait été brutal. Ouais.